Un café? Bah oui, si vous le faites, ouais. Ouais, je vais le faire. Tu veux un café? Ouais. Tu veux un café? C'est bon? Elle est où la fille? Pierre, t'as pas l'air fatigué du tout. Pierre n'est pas fatigué. Alors, le matin du deuxième jour, j'escompte pas, non. C'est plutôt, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt séance zombie, quoi. Tu veux l'ambiance générale? Vas-y, fais voir les yeux. Voilà. Regarde les collègues, regarde bien les collègues. Ils sont où? Voilà. Fais voir les yeux, fais voir les non, yeux. C'est pas obligatoire. Alors, par contre, on travaille en complémentarité avec le collègue là-bas. Il file les vieux mégots et on les transforme en gobelins. Ouais, c'est des bénévoles. Est-ce que tu as trouvé beaucoup d'or? Vas-y, dis-moi. Alors, pas encore d'or, mais je pense que ma batte va finir par dénicher quelque chose. Pour l'instant, c'est plutôt des mégots, c'est assez décevant. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Que des mégots. Mais on n'a pas encore attaqué la pelouse, donc là en fait, c'est pour se mettre en chantier. Et en fait, on a tellement peu de déchets à gérer sur le site qu'on se les garde pour la fin, quoi. Voilà, donc là, on se fait plaisir. Et puis moi, ça me rappelle quand j'étais petit. Je faisais état de ça, comme ça. Je pense même qu'on pourrait demander à certains de faire des petits dessins, tu sais, un peu zen. Qui sera rendu en parfait état à la commune de Ribérac, notre sponsor officiel. <Cette soirée. rire> Alors, le but, c'est de donner envie d'écraser un mégot, quoi, en fait. Plus c'est beau, plus ça donnera envie de se diriger. Voilà le travail. Bon, tu sais la lune, regarde. Alors vas-y, et maintenant, alors, t'enlèves ton doigt, alors vas-y. Ça tient tout seul, c'est